Voilà un garçon fort, garçon de grande qualité, garçon d'un caractère bon. Mais le bon caractère n'est pas nécessairement celui qui plaît le mieux à l'entourage, mais c'est celui qui obéit à des vertus de paix, d'amour et d'intégrité. Voilà un garçon qui obéit à tout ça. C'est un garçon de grand cœur et de grande qualité humaine. C'est pourquoi, en décidant de venir ici, de demander au président Boga de faire venir tous les chefs du département ici à Kpapeku, mais pas ailleurs, à l'ancien chef-lieu de canton, donc au petit-fils du canton de Gbadi. Vous pensez que Bappé, celui que nous regardons, lui, Bappé, celui que nous regardons. Mais quand on le regarde, on constate qu'il a vécu les mêmes émotions que les politiciens d'hier, vécu les mêmes espérances. Et nous pensons que c'est tous ces rêves-là qui ont fait de lui ce digne fils. Il ne peut pas sortir de Ouragayo sans qu'on l'habille. C'est pourquoi je voudrais ici inviter un monsieur Boga Sivori, un monsieur Adolphe Kagi, ici. Mais s'il n'y a pas la main d'une maman, ce n'est pas une bonne chose. L'épouse pour qu'on puisse habiller notre digne fils. Les mamans, c'est-à-dire les épouses, ont le sens de la mesure. Quand dans ta vie, il n'y a pas la main d'une maman, tu es foutu. Voilà notre maman. Elle va t'habiller. Bapé, sois quoi, ya. Bapé, tu sais qui le dit? C'est Karl Marx qui le dit. Karl Marx dit quoi? Il dit le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. Toi, à ton âge, tu acceptes le devoir de prendre le département de l'égalité sur ta tête, de prendre le peuple de la Côte d'Ivoire sur ta tête. Tu es un grand homme. Le point sur le cœur. Nous te disons, un propos accueilli. Que tous les rumeurs s'arrêtent aujourd'hui. Pour ne pas casser l'œuf et pour ne pas précipiter la poule dans la tombe. Que tout s'arrête aujourd'hui. Que Dieu fasse que ça s'arrête. Aujourd'hui, nous l'avions dit, se trouver à La Haye, notre présent et notre avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons à cette rencontre parce que nous pensons
que notre présent et notre avenir doivent nous garantir un avenir harmonieux. Je peux vous dire merci. Tout ce qui est bon, désormais le président Charles Goudé a son homonyme ici à Papekou. Elle a porté ses leckers, son jean, son chapeau. Ça c'est Bleu Goudé original.
Rejoignez-nous au projet.